Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter le numéro 18 et 19 de la Porsche 917 Cash. Alors, la vidéo précédente du numéro 17, donc tout est bon. Là, il y avait des pièces qui restaient, c'est tout à fait normal. On va plutôt se servir plus tard dans la suite de la collection. Pour l'instant, vous ne les mettez pas. Voilà. Allez, on va commencer pour vous montrer le numéro 19, c'est 19 et le 20. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ah, voici donc les pièces. Hop. Fournies dans le numéro 19. Dans ce 19e numéro, on va monter. Hop. Ces petits accessoires là avec celui trophée, ben, ce petit embout. Alors il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, ouais, six. Je vais les monter déjà 5, d'accord, pour pas que la vidéo dure très longtemps, et je vais monter celui-ci avec vous. C'est parti. Ah oui, et puis les vis, c'est des LM, DP. Et enfin, IP. Voilà. Allez, c'est parti. Pour monter cet accessoire, il faut une vis DP. Hop. Ensuite, vous prenez cet embout. Vous voyez ici, c'est pas si vous allez voir, il y a un petit, hop, on peut pas voir, c'est pas, il y a un petit coin ici et vous l'encastrez comme ceci. Pas si on peut, voilà, et vous mettez donc la vis dans le trou, hop. Comme ça. Et voilà. Voilà le résultat. Ensuite, on va prendre le livre. Donc, j'avais oublié de vous montrer. Bah, vous savez, montrer au livre, c'est que le montage. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, c'est pas. Hop. Donc on reprend le moteur. Le retourner. Ensuite, vous prenez, vous reprenez tous les accessoires que vous avez montés. Voilà. Hop. Cela. Moi je l'ai monté hors vidéo, ça va plus vite pour pas que la vidéo dure 2 heures. Voilà, puis la dernière. Hop. Alors vous prenez celle-ci. Hop. Vous mettez celle-ci ici. Vous mettez celle-ci là où il y a le câble. Hop, et vous l'enfilez. Hop, comme ceci. Et ensuite vous mettez deux vis IP.
Ensuite, vous prenez la deuxième. Celle-ci. Comme ceci. Et vous remettez donc des vis. Attendez, je crois que c'est peut-être pas les mêmes. Non. Non, c'est pas les mêmes. Hein. Attention, ce n'est pas les mêmes vis. Hop. Là, vous mettez des vis LM. Parce qu'il y a un truc qui gêne. Voilà. Ensuite, vous me prenez donc celui-ci et ça devait être celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, hop. On va les croiser. C'est comme ça. Hop. Et ensuite, on va retourner le moteur. Et ensuite, pas que je fasse n'importe quoi. Plutôt comme ça. Ça, ouais. Et deux vis IP. Ça reste comme ça. Ensuite, là j'ai un oublié. Ça c'est bon. Ensuite, vous prenez. Pas prendre n'importe lequel. Cette vis-là. Et vous la mettez. Où il y a des. Petit crochet ici, hop, on met ça.
s'enfoncer plus celui-là. On peut pas plus. Ensuite, vous prenez donc. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, vous retournez. Ah, il a encore enlevé ça. Ensuite, ça. Hey, je suis trompé de côté. J'en étais sûr. Alors, hop. Attendez, il y a une erreur. C'est pas possible ça. C'est mieux comme ça. Hop. Alors, on va revisser ça. Pas facile, non? Ça. Voilà. Et donc, je disais donc mettre deux vis IP. Pour fixer ça. Et voilà.
Ensuite, vous prenez cette pièce et vous la mettez comme ceci. Hop. Ça, vous l'empointez. Voilà, travail. Hop. Voilà, ça boite hein, quoi. Ça continue, je vais le coller ça. Hein. Ensuite, on va prendre. Donc ça c'est bon. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Hop, ensuite on va prendre celle-ci. Elle est toute petite. Et on va la mettre juste ici. Et faut des vis, faut les vis, ça fait fils. LM. Alors, il faut bien regarder parce qu'il doit être encastré. Oula. Je sais pas pourquoi il demande ça mettre ça avant parce que sinon on peut pas. Hop. Alors, ensuite, on va essayer de le remettre. C'est bon. Ensuite, la petite dernière, celle-là. Et celle-là, vous la mettez comme ça. Putain. Et faut des vis IP.
Hop. Et voilà. Voilà pour cette partie. Donc le numéro 19 est terminé. On va entamer le numéro 20. Bah, le 20 c'est pareil. Hein. Hop, le 20 c'est la même chose. Hop. Les pièces. Donc vous prenez évidemment cette pièce. Hop, vous la mettez comme ça. Il me faut évidemment deux vis IP. Ensuite, vous prenez celle-ci. Donc, vous la mettez, hop. Et vous mettez deux vis LM. Ensuite, vous prenez celle-ci et celle-ci. Ouais, hop. Donc, vous la mettez. Il ne faut pas que je fasse la même bêtise que tout à l'heure. Celle-là et celle-là. Ça doit être comme ça. Ça. Puis c'est comme ça, bien sûr, mettez deux vis IP.
Ensuite, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc vous prenez cette pièce. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez ça et vous fixez ça ici. Et vous mettez deux vis IP. Hop. C'est bon. Ensuite, cette pièce. Ensuite, vous prenez donc celle-ci, la main dernière. Vous rentrez ce petit crochet-là dans le deuxième trou du bas. Et vous fixez. Hop, et vous fixez avec deux vis RM. Et ensuite, pour terminer, vous prenez cette dernière pièce, et vous la mettez dans le trou, dans le dernier trou qu'il y a là, et vous fixez juste ici, et vous mettez deux vis IP. Si vous attendez quelque chose, c'est mon chien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, bah voilà. Donc, tout est fait, hein. Voilà. Ça avance bien. Là, ça me dérange un peu parce que qui ressort. Bon, je ferai un truc pour que ça ressort. Et voilà, donc le numéro 19 et le numéro 20 est terminé. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos. La prochaine vidéo, ça sera le numéro 6 de Johnny Hallyday.
prochainement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne, pardon. J'espère. Voilà, et en tout cas très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!